Hey, aloha! Hello tout le monde, j'espère que tu vas bien, que tu as la positive attitude. Bienvenue sur ma chaîne si tu es nouvelle. Moi c'est Saouda, pense à t'abonner, active la cloche de notification et n'hésite pas à commenter sur cette vidéo, tu me donnes ton avis, ce que tu en penses. Et la team Saouda, on s'en grandit, on s'en jaille, toujours avec de l'ambiance. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes indispensables, ce que moi j'utilise, que voilà quoi, c'est un truc de dingue. Si je ne disais pas, je serais complètement perdue. Heureusement que voilà, je les ai à la maison, ça m'aide beaucoup, surtout quand on n'a pas beaucoup de temps. Des petits trucs voilà que je vous ai concoctés, de ce que moi que j'utilise personnellement. Donc vous pouvez également aussi me dire en commentaire pour vous, c'est quoi vos indispensables, parce que j'aimerais bien savoir ce que vous utilisez chez vous, comme ça, ça sera un partage entre moi et vous. Donc c'est parti, première chose que je vais vous présenter, c'est celui-ci, donc vous voyez, petit appareil pour les peluches, donc ça enlève tous les peluches, donc ça se présente comme ceci, et je vais vous montrer l'appareil en elle-même, ça se présente comme ça, vous voyez, là, il y a la protection, vous voyez, qui protège le truc là. Et puis, il y a une réserve que vous pouvez l'enlever. Donc, je vais juste vous montrer un petit peu vite fait. Ça, ça sauve la vie. Ça sauve vraiment la vie, surtout quand vous avez des vestes. Vous savez, vous avez des vestes ou des pulls qui commencent à avoir des peluches ou des cloches sur vos pulls ou vos vestes ou même au niveau des robes. Ça, c'est hyper pratique. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, c'est avec piles. Donc, je vais vous montrer. C'est à deux piles. Donc, on met des piles dedans pour qu'on puisse faire marcher. Donc, attention, ça va faire du bruit. Mais je vais juste vous montrer l'effet que ça fait. Vous voyez? Donc là, ça va enlever tous les petits peluches là qui se sont infestés. Hop! Donc vous voyez, donc ça c'est hyper pratique. Regardez tout ce qui m'a sorti ici. Et vous allez avoir des vêtements tout neufs quoi. Après, ça enlève tout. Et vous voyez ici, là au niveau du réserve, c'est ce qu'il a enlevé. Voilà, sur mon pull. Donc ça c'est vraiment quelque chose à voir chez soi. C'est pratique, surtout quand vous sortez, allez au travail, que vous avez mis votre veste et que vous voyez que ça va pas. Hop, vous faites tac, 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 tac. Et en quelques minutes, c'est fait. Donc, deuxième produit que je vais vous présenter, c'est une petite machine à coudre. Ça aussi, ça sauve la vie. C'est une machine à réparer portable. Donc, vous voyez, je vais vous mettre les liens en barre d'infos si vous souhaitez aller l'acheter, parce qu'il y en a que j'ai acheté en magasin, mais vous allez trouver le site Amazon. Donc, ça aussi, ça sauve la vie parce que voilà, si vous avez des chaussettes trouées, si vous avez une robe qui est un petit peu déchirée, peu importe, ça va vous sauver la vie et ça va très très vite. Je vais vous montrer l'article en question. Ça se présente comme ceci, c'est vraiment très 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 pratique. Et c'est pareil, c'est avec piles. Donc vous voyez, il y en a 4, donc on met 4 piles fermées. Donc voilà, vous voyez, vous avez un bouton ici. Et puis, comme vous voyez ici, il y a l'aiguille et il suffit de mettre votre robe qui est un peu déchirée. Vous le mettez là et là, vous appuyez ici et je vais vous montrer ce que ça donne. On appuie et on tire. Voilà, on tire. Vous voyez, je vais vous montrer. Attendez. Hop, voilà. Là, je vais l'enlever et donc, vous voyez, ça a bien cousu. Alors, je l'ai fait vite fait juste pour vous montrer, mais c'est vraiment hyper efficace et c'est vraiment top. Ça un gain de temps fou. Voilà, c'est surtout quand on a des enfants ont tendance à tout en trouer, leurs pantalons, les chaussettes, les manteaux, tout ce que vous voulez. Et ça, c'est un truc de pratique pour, c'est une machine à réparer portable. Et c'est hyper, hyper pratique. Ça va vous sauver. Passons au troisième article. Donc, pour le troisième article, je vais vous présenter un petit coussin de salle de bain pour repose tête. Pour pouvoir prendre votre bain et en même temps reposer votre tête. C'est relaxant. Et les petits ventouses, vous voyez ici, qui se fixent directement dans votre salle de bain. Et là, ça vous fait vraiment votre repose tête.
pour rester le maximum possible dans l'eau chaude et pour se détendre dans des moments agréables. Et vos post-têtes, ça aide vraiment à se relaxer dans la salle de bain au moment où vous allez prendre votre bain, et c'est vraiment excellent. Et il y a c'est comme en fait à l'intérieur, c'est comme il y a des petits trucs qui font des petits massages. C'est hyper agréable, c'est vraiment vraiment agréable. Donc vous voyez, avec les ventouses, c'est pas mal du tout. Moi, je vous le recommande si vous faites des bains de temps en temps, semaine de travail, vous êtes hyper fatigué, vous voulez faire un bain, et bien avec ça, voilà, vous allez carrément dormir dans votre salle de bain. Donc voilà, troisième article. Quatrième article qui est vraiment, vraiment indispensable. C'est vraiment primordial pour toutes les personnes qui n'aiment pas le calcaire comme moi. Moi, je ne supporte pas le calcaire. Je vais vous présenter un pommeau de douche qui est vraiment extraordinaire, cette chose-là. Je vous jure, vous n'avez plus de calcaire chez vous, surtout quand vous mouillez les cheveux. Vous n'avez pas de calcaire parce que le calcaire, ça abîme les cheveux, ça assèche la peau. Et avec ça, alors je vous montre le truc, ça se présente comme ceci. Et à l'intérieur, il y a des billes d'argile. Vous voyez, il y a des billes ici, des billes là et aussi à l'intérieur. Donc, vous allez, je pense que vous n'allez pas voir. Et ces billes-là, ça permet d'absorber le calcaire. Comme ça, quand vous allez mettre vos pommeaux et que vous tournez l'eau, donc l'eau, ça va rentrer à l'intérieur et ça va filtrer le calcaire. Et franchement, ça va grave, grave vous aider au niveau de votre peau. Vous allez avoir la peau très douce. Vous n'allez pas avoir cette sensation. Vous savez, quand on prend une douche avec l'eau calcaire, moi, je ne sais pas. Moi, je n'aime pas cette sensation au niveau de la peau. J'ai tout de suite besoin, envie de mettre une crème hydratante tout mon corps, de la tête aux pieds. Mais avec ce pommeau, il est vraiment trop, trop, trop top. Je vous le recommande à 1000%. Vraiment, surtout pour les cheveux, parce que je vous ai dit que le calcaire, ça abîme beaucoup les cheveux. Et grâce à ça, les gars, aïe, 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 vous n'allez plus pouvoir vous en passer. Regardez un petit peu les billes. Donc, c'est des billes d'argile. Et il y en a ici, vous voyez. Regardez ici, il y en a aussi un petit peu en blanc. Il y en a en gris et en marron. Et tout ça, en fait, dès que l'eau rentre, eh ben, ça va filtrer. Et vous allez avoir comme de l'eau de source, en fait, tout simplement. Et ça va vous permettre, voilà, de ne pas avoir de calcaire sur vos cheveux. Et ça, là, c'est le top des tops. C'est le top des tops. À 1000%, n'hésitez pas à regarder, à checker en barre d'infos. Je vais vous mettre les liens. Ça coûte pas cher, hein. C'est moins de 20 €. Donc, il y a tous les prix. Donc, moi, je vous le recommande. Donc, la cinquième article que je vais vous montrer, c'est aussi des personnes comme moi qui sont pressées pour aller au travail, qui n'ont pas le temps pour repasser. Je vais vous montrer le repassage à vapeur. C'est un truc de dingue, ça repasse, mais à une vitesse, de dingue. J'en suis fan, j'en suis même amoureuse, parce que vous savez, si vous levez le matin et que vous n'avez pas eu le temps de repasser votre chemise, et ben, en l'espace de quelques minutes, c'est fait. Donc, je vais vous montrer comment ça se présente. Donc, ça se présente comme ceci. Là, c'est là où vous allez mettre de l'eau, vous voyez. Donc, vous ouvrez juste ça et vous mettez l'eau. Ensuite, une fois que vous avez mis l'eau, hop, vous refermez directement. Ça, vous avez différents accessoires, mais pour l'instant, moi, j'ai que celui-ci parce que les autres, je sais pas où est-ce que c'est rangé. Donc, vous voyez, ça se présente comme ceci. Donc, c'est vraiment top. Et là, vous clipsez pour justement protéger vos vêtements. On l'allume. Déjà, on l'allume ici. Donc, vous voyez, il y a le truc qui clignote. Ensuite, pour faire sortir la vapeur, c'est hyper rapide. Hein. Vous appuyez là. Et j'ai pris une chemise pour vous montrer un petit peu. Voilà, vous voyez. Donc là, vous avez votre chemise. Et vous allez tout simplement passer le truc en vapeur. Et ça va faire l'affaire, quoi. En quelques secondes, vous voyez. Donc voilà, je vous montre juste tout simplement
comment on fait pour repasser la chemise ou une robe, hein, tout simplement. Mais c'est vraiment topissime. C'est, vous voyez, regardez. Donc ça, c'est vraiment indispensable chez moi parce que vous savez, des fois, vous n'avez pas eu le temps de repasser vos affaires le soir parce que voilà, vous êtes occupé, vous êtes parti au cinéma ou voilà, vous êtes vachement occupé que vous avez oublié de repasser. Et bien avec ça, ça vous sauve la vie le matin parce que ça repasse vite fait. Et même si vous voyagez aussi, ça aide beaucoup, beaucoup. Moi, je sais que quand je pars en voyage, ben, je l'amène avec moi. Comme ça, je n'ai pas le fer à repasser. Ça se porte assez facilement. Ça se met facilement dans la valise. Et ça, croyez-moi, ça vous évitera des galères, vous voyez. Ça va vraiment, vraiment vous éviter les galères à bord, comme on dit. Et moi, je vous le conseille. Hein. Franchement, si vous n'êtes pas une personne qui aime repasser, qui aime prendre le temps pour faire le repassage, et ben ça, c'est idéal. C'est vraiment... Moi, ça fait plus d'un an que je l'ai et ça m'a jamais quitté, les gars. Et ça me quittera jamais. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais vous montrer. Ensuite, un autre article que je vais vous montrer, c'est le bain de pied Thalasso. Donc vous voyez, hop, je vous le montre comme ceci. Il est vraiment, vraiment, vraiment excellent pour les pieds. C'est vraiment un bain de pied qui fait des bulles, qui masse, une sorte de vibration. Il y a les bulles qui sortent, une protection amovible contre les éclaboussements. Ça fait trop, trop, trop de bien aux pieds. Franchement, si vous pouvez l'avoir, je vous le recommande, surtout après une semaine de travail, vous êtes fatigué ou vous avez fait beaucoup du sport, vous avez couru, ça va grave, grave vous aider. Je vais vous montrer l'article en question parce que je l'ai sorti de la boîte. Donc voilà, je vous montre un petit peu comment c'est. Je vais l'allumer vite fait. Ça fait un peu de bruit, mais voilà, il y a différents massages parce que le premier bouton, en fait, ça permet que l'eau accède à la vibration et du coup, avec les picots, vous voyez, avec ça, ça permet de bien masser l'eau. Et ce qui est bien, si vous posez votre pied comme ça, vous pouvez faire comme ça des allers-retours pour bien justement masser tout votre pied. Donc, je vais vous montrer. Ça fait quand même un peu de bruit, mais c'est agréable. On s'en fout du bruit, on s'en fout. Je vais mettre un petit peu le bruit, que vous entendez un petit peu comment c'est. Mais on s'en fout du bruit, ok? L'essentiel, c'est que ça nous fait du bien. Allez, c'est parti. Donc, hop. Donc là, je tourne. Et le troisième. Salut. Voilà, donc ça fait du bruit, bon, ce qui est normal, hein, parce que t'as l'asso et ça fait grave, 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 grave du bien aux pieds. Et franchement, vous le faites une fois et pendant 2 semaines, vous n'avez pas besoin de massage. Tellement ça masse hyper bien. C'est pas cher, tous les produits que je vous ai montrés, c'est vraiment pas cher. Moi, maximum, au niveau des produits, je vais dire 25€ par là ou 30€ maximum parce que ça, je l'ai eu chez Lidl Price, chez Lidl à 19,90€ ou 99€, donc on va dire 20€. C'est vraiment, vraiment pas cher. Hein. Vous pouvez vous le procurer sur Amazon. De toute façon, je vous mettrai l'adresse et les liens en barre d'infos si vous voulez aller checker, voir si y en a. Mais de toute façon, si en magasin, il n'y en a pas, vous allez trouver sur Internet. Voilà, donc écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous également, vous avez vos indispensables, voir ce que vous utilisez chez vous. Ça va me permettre d'échanger un petit peu, moi et vous. En tout cas, ça me fera hyper plaisir. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!